précipitant au pas matin. Le Seigneur qui nous a donné ce jour ne l'a pas fait en vain. Et toujours plus, ça y est, le goût, parce qu'il y a un savoir sur le sang de la mission. Et nous lui rendons honneur parce que c'est le Dieu qui exauce nos prières. Et il faut avoir la science qui les envoie au corps. Il faut être rassuré que le Seigneur écoute ta prière. C'est tout le temps, oui, qu'il a fait ton avis. Et surtout lorsque tu sais qu'il purifie ta vie. Et qui enlève la vie du péché. Et c'est ça la plus grande chose. Que tes pensées deviennent sanctifiées. Un sentiment a eu comme un sentiment Christ. Et tes sentiments deviennent ceux du Christ Jésus. Parce que Philippiens 2, verset 5 est le bien. Philippiens 2, le verset 5 dit ceci. Ayez les sentiments qui est en Christ. Vous allez avoir pour ça, vous allez quitter à Christ. Et ce sont ces sentiments qui doivent se retrouver en toi. Philippiens sentiment d'humilité et de l'obéissance. Et ces sentiments-là dont on parle Philippiens, c'est l'humilité et l'obéissance. Il s'est humilié lui-même. Ami qui dit ça, qui n'a rien au corps. C'est rendu obéissant. Jusqu'à la mort. Qui nous arrivera à la mort de la mort. À ta loi et pour nous sur la saut. Donc, sentiment, on a besoin d'humble. Dans ce sentiment d'être humble, bien-aimé, doit aussi se retrouver en toi. L'orgueil est précédé à la chute. L'olympiaka yamwe te kokwe ya beya. Ce qui kaka osa orgueille. Si tu es orgueilleux, bien-aimé, le colazamba n'agate moutoua a maté la bateau. Comme le Seigneur n'aime pas qu'il en prenne le dessus sur les autres. Et c'est le Seigneur qui va te renverser. Parce que c'est l'Église de Dieu. Oui, tes amis commis en Zambé. Mais il faut avoir un sentiment, ils étaient en Christ. Mais tu dois avoir les sentiments qui étaient en Christ. Sentiment et humilité. Donc, pour ça, on est à commis qui dit ça. Na obéissance. Et à tous en Zambé. Quel que soit le problème. Et ça l'attaque ta monie. Regarde ce qui dit les Écritures de Dieu. Yota la oeomini li commis et l'obi. Obéi. Tout ça, ils ont un bon sentiment. Ils n'ont pas pour ça, voilà. Et sentiment, on a abondé, mais tout le temps, il s'est dans Proverbe 22, verset 4. Et c'est ce sentiment-là qu'on nous montre dans Proverbe 22, verset 4. Ils ont le bénéficiaire, ils ont le fruit de l'humilité de la crainte de Dieu. Mouma, il y a comme qui dit ça, paix à Koubanda Nzambé. Balobi, ils ont la gloire. Kembo, richesse. Bozui, baisse encore. On a donné encore d'autres éléments. D'abord, il faut évoquer. Dans l'autre pour façon, gloire. Pour avoir la gloire, les affluer à humilité. Les amis, vous m'avez promis qui dit ça. Richesse, les affluer à humilité. La richesse aussi, c'est le fruit de l'humilité. C'est pourquoi Dieu, Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a tali cette humilité. Il avait manifesté l'humilité. A tali ici obéissance. Il a manifesté l'obéissance. L'Écriture de l'Obéissance, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il y a beaucoup d'entendre à tout le monde qui est en casse pour les cantons. Gloire, chemin à mort. Le chemin de la gloire. Humilité. Et ça dit comme il dit ça. Et obéissance. Mais pour tous. C'est très important. Et ça dit pour tout en casse. Et la santé qui font la fondation de parenthèses manque pour la compréhension vraiment la prophétie. Et j'ai senti que je vais ouvrir une parenthèse pour la compréhension de la prophétie. Autant la zone de l'arme qui est dans le soir pour pointer à l'ordre, c'est quoi? Parce que quand je parle de la bataille d'Armageddon, d'autres ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. Il faut que nous connions son bison de Bassal et tout terminé. Parce que c'est nous les serviteurs, c'est à nous de vous expliquer, de vous enseigner toute chose. Nous sommes appelés les serviteurs. Dans ce langage des serviteurs du peuple. Dans les serviteurs à cause du Christ Jésus. Et c'est pourquoi tout à l'heure qui Exode 29. Jour la consécration, le verset 22. C'est pourquoi on avait parlé d'Exode 29, le jour de la consécration, verset 22. Tout à l'heure, qui est la bélier de la consécration. On avait montré que dans le bélier de consécration, le Seigneur a obligé qu'il batte à la queue. Le Seigneur avait obligé qu'on puisse aussi mettre la queue. Les amis, tout à l'heure, Aaron et ses fils. Donc, cela a montré qu'Aaron et ses fils ont commis
plus petit à l'église. Et vous êtes devenu les plus petits parmi ces deux. Les serviteurs. Les derniers des hommes. C'est ça l'élément, la queue. Et c'est ce qui représentait la queue dans le bélier de consécration. Et c'est ce qui nous fait dans l'angoma casse. Et c'est ce à quoi nous verrons le plus. Si le peuple présente la difficulté dans l'élogue mon compte. Si le peuple a une difficulté sur un point de la Bible. Il faut en avoir mon abissotopé saluant. Il faut que de notre côté, à nos serviteurs, vous ayez la facilité à comprendre. Que tu aies la facilité de comprendre ces points. Et ta façon d'être loco. Et lorsqu'ils disent une chose, et tout le monde s'en calme ici. Que cela ne puisse pas tourmenter tes pensées. Et nous trouvons un texte dans Agé chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons prendre le texte d'Agé chapitre 2. Agé 2, à partir du verset 6, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut dire que la parole est pour toi. Tu vas croire que la parole est pour toi, bien. La parole du Seigneur l'a préparée pour toi. Avant le verset 6, tiens le verset 9. Agé chapitre 2, le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ah, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et je brandirai les cieux. Et la terre. La mer. Elle est sec. Je brandirai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Qui l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. C'est la parole du Seigneur. Nous croire que le Seigneur parole n'a union sur le bas et qu'on. Nous croyons que toutes les paroles de l'Éternel s'accomplissent. Et comme a mis dans psaume 33, il est écrit dans psaume 33, il a anéanti les projets des nations. Et mais ces projets s'existent toujours. Et c'est le dessein des générations en général. C'est ce que le Seigneur a préparé. Et c'est ce qui va se faire ou s'accomplir. Et Paul a dit dans Romains chapitre 9. Il dit ceci bien. Dans verset 28. Au verset 28. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Car le Seigneur exécutera pleinement. Et promptement sur la terre ce qu'il a raisonné. Donc, Zambé a kokokisaka na mobimba. Donc, le Seigneur exécutera pleinement et promptement. Donc, c'est que Makamboyo a bongisé comme ça de Manamabele. Donc, ce que le Seigneur a résolu de faire sur la terre et comme ça de Manamabele. Ne va pas s'exécuter en partie. Et vous allez voir pleinement. Et cela s'exécutera pleinement dans mon bimba. Et ce qui doit s'exécuter sur la terre, le Seigneur l'avait dit dans ses prophètes. À propos qui s'est avec. Dans la totalité, mais le Seigneur les accomplira dans la totalité. C'est pourquoi il avait dit dans Matthieu 5. Tant que le ciel et la terre et vous subsistez, tant que ma colopée n'a ce que ça va, aucun iota de la loi. Ata, et le comment côté à mon béco. Et pour le moi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Puis nous étions sauvés pour qui ça va. Là, je me mets la loi comme prophète. Là, il parlait de la loi comme prophète. Donc, dis-le-nous.
jusqu'aujourd'hui. C'est vigueur L'Écriture ne peut jamais faillir. Jésus-Christ est mon Dans Jean 10, verset 35. Ah, mais l'Écriture ne peut faillir jamais. Il dit l'Écriture ne peut être anéantie. Et cause à l'anéantie. L'Écriture ne peut être anéantie. L'Écriture est puissante. Tu dois le savoir en toi. L'Écriture. L'Écriture de Dieu. Sauf moi qui a beaucoup de faire. Si tu la rejettes, tu deviens faible. Au moment où on est tiré sur le bâton, tu peux voir si l'écriture est muette. Au moment où on est tiré, il y a aussi ma casse pour les gens qui ont besoin de ma commande. Tu pourrais te considérer plus fort que les choses que le Seigneur a écrites. Au Tanikoui, tu lis la femme de Béba Brigitte. Moi, c'est à vous qui côté à thé. Il y a aussi l'église d'ailleurs. Et toi, tu crées qu'il y a un manézaka à Paul. Ah, c'était seulement Paul. La force de Christ. J'ai dit que vous avez l'autorité. Je sens vraiment que tu as l'autorité sur la parole. Et puis moi, je me perds avec la parole. Et puis la femme passe devant les gens pour prêcher. L'écriture ne peut jamais être en l'air. L'économie continue aussi, ma matinée. Pour son salaire, là, il y a son salaire d'écriture. Tu auras ton salaire si tu te montres de l'écriture. Le Seigneur n'a aucun jamais au falsifié. Falsifier l'écriture. Colo a copié pour ça de la commis ma belle. Oh, il a l'oubli. Ce que lui l'a dit, à Osa. Le Seigneur le fera. Mon savon est oui pour annoncer l'eau. Un prophète peut annoncer un événement. Mais à Koufi, mais il n'y a pas fait l'accomplissement. Il ne voit pas l'accomplissement de cet événement. A dit qu'il y a mot et comment. Mais il laisse cet événement écrit dans son livre. Mais comme c'est l'Esprit de Dieu né, le roi qui n'a pas dit. Et comme c'est l'Esprit de Dieu qui avait parlé en lui. Hier, la zone va se pousser par l'Esprit. Les amis ont dit qu'il y a un amour, mon sang. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et pas de mal, le roi qui a parlé de la part de Dieu. A écrit au Yéba, Agé, Zacharie, il y a tous les prophètes. Les écrits de Agé, Zacharie et de tous les prophètes. À Zacharie, on ne se moque pas de ces écritures. Non, c'est pour vous qui savent. Pleinement. Et toutes ces écritures s'accompliront pleinement. Maintenant, ici, bien aimé, ton âme pour ça, d'abord, il y a pour comprendre l'ébranlement que Agé a prophétisé Isaac. Nous avons besoin de comprendre qu'on y a un colopé dans ce que vous avez dit. Alors, qui il avait dit que le Seigneur a annoncé. Yahweh a sakura que a pour ébranler le ciel, a pour nidisa makolo, a pour ébranler la terre, a pour nidisa mabile, a pour ébranler la mer, a pour nidisa ma yamu, a pour ébranler le sec, a pour nidisa mabile et sa lamane. Et ça l'engage à l'oubli. C'est le langage qu'il a utilisé. Après ailleurs à l'oubli, après il vient pour dire a pour ébranler toutes les nations. A continuer encore. Il continue en disant. Toujours la gêne. J'ai brûlé toutes les nations en verset 7. La conigui sata di colonioso. Maintenant, si on a ébranlé toutes les nations. Maintenant, si le monde, toutes les nations. Mais les trésors de toutes les nations viendront. Bébo sui a di colotomakota nyonso la bébé goyata. Et je remplirai de gloire cette maison. Mais la poteau qui s'agit d'un quel bon d'un peu, dit l'éternel des armées. Et le dit Yahweh n'a pas dit. Trésor ramonion soit écoyé en route dans toutes les nations. Les trésors qui proviendront de toutes les nations de la terre. Ils en aient l'argent d'or. Ils habitent par là ta paix. L'argent où ils ont donné. Cet argent ici, ce n'est pas les dollars américains. Quand le Seigneur dit que l'or est à moi, l'argent est à moi. Maintenant tu veux faire la collecte aux Juifs. Tu prends cette écriture du prophète Agé. Donc Ezane Tiké, maman, on a ma foufou, Nanzete, ou avec la maman Axel, Nzete ou. C'est comme la maman qui parle à la foufou. Du foufou avec. Alors moi, l'homme qui a dit que les classes, il dit que les dit qu'il va aller à l'école et qu'il manque de stylo. On a dit que Nanzete, ça l'appelle à l'utilité. Et maintenant tu dis comme les malaxeurs aussi à son utilité. Et tu les révèles à ton fils comme pour lui servir de style. C'est bien sûr, c'était on est dans la latine. C'est bien sûr que les malaxeurs est important. Mais par moment on est une folle. Mais on va te considérer comme une folle. Mais ça ne s'y qu'à la côté. Parce que ça ne peut pas être utilisé comme un stylo.
Mais avec ceux-là qui font la connecte. Donne ton Isaac à ton frère. Si je viens avec mon Isaac, je dois retourner avec lui. Abraham avait dit, moi et les jeunes hommes, nous reviendrons ensemble. Isaac, et toi, tu nous as dit d'apporter nos Isaac. Ce n'est pas un problème. La télévision. J'avais par exemple ma télévision. Lorsque je donne après cela, je remets encore ma télévision. Je rentre en place. Tu l'avais appelé Isaac. L'argent, cet argent ici, ce n'est pas de l'argent comme un billet de banque, non. Et puis l'argent, ce qui s'appelle à ébranler toutes les nations. C'est ça les titres. Et puis l'homme et l'argent qui viennent, c'est après les bonhommes. Et ça, la capacité à vous d'avoir à dire un contact à dénigrer ça. Mais les Français, à vous dire ici. C'est malheureux lorsque les gens ne lisent pas comme il faut, mais qu'ils maîtrisent bien la grammaire française. Si tu poses la question à son professeur de on t'a bien dit. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Après l'ébranlement. Dis l'Éternel des armées. Maintenant, si tu poses la question. Cette maison, mais pourquoi remplir des gloires? Les réponses à avoir avec ces 8. Et maintenant, la réponse est sur verset 8. L'argent est à moi. Voilà tes années à gagner. Donc, l'argent, vous avez besoin de la nation. L'argent qui est entre les mains des nations appartient à Dieu. Ah, bah, on dit l'argent. Et ça veut dire que ça va dans la maison soit argent, non, c'est ça la tourba. Non, ce n'est pas que le Seigneur a besoin de l'argent ou de l'or qui est à tourba. Non. On est ça comme un signe. Là, ce n'est qu'un signe. Oh, il y a ce ce que le Seigneur est en train de dire ici. L'or est à moi. Où l'on s'est dit en bas? Dis l'Éternel. Il nous dit à moi. Donc, cela veut dire. Et il dit que l'on va mourir à vie. À qu'on tire l'argent et l'or. Le Seigneur va tirer l'argent et l'or. Après qu'à ébranler. Après qu'il ait ébranlé les nations de la terre. Et c'est ça le texte d'abord. Il y a beaucoup de l'économie tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on suit, Hébreux 12. Maintenant, en prenant Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, et soyez mes amis, sauvés. Hébreux 12 nous dit ceci. À partir du verset 27. À partir du verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lui donne la voix, ma mère n'a pas six. Lui donne la voix et branla la terre. Et qui maintenant a fait cette promesse? Il faut encore. Je branlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Là, tant que Paul a son commandement. Et là, lorsque Paul écrivait cette lettre, alors qu'il a sa promesse, il a fait une promesse, c'était déjà du temps. Mais à l'époque, il y a deux mouvements, les avant dans l'écriture, il y a Agé. Mais il veut parler de deux mouvements dans l'écriture d'Agé. Ces mots, il faut encore. Malheureusement, comme au sous ces années, il y a un verset 7e à Hébreux 12. Invite le changement des choses et branlez. Les agriculteurs, ils sont beaucoup à Makambo et Ningani. Donc, il y a des choses et branlez. Les agriculteurs, Makambo et Ningisiango. Comme étant fait pour un temps. Le corps à Makambo est Chamakita Kabo na Tabo Mokoboy. Afin que les choses inébranlables subsistent. Oui. D'abord, l'écriture est HD. C'est pourquoi l'écriture est HD. Le Seigneur a Zoroba. Le Seigneur qui s'est dit. Azo est branlé les ciels et la terre. Azo Mingisama Kolope Nassé. Azo est branlé la mer et le ciel. Azo Mingisama Yamoupe Mabele Zanama. Après, l'homme a fait branler toutes les nations. Après, il dit qu'il ébranle toutes les nations de la terre.
Lorsque l'hébreu l'a répété, ébranlement, il a changement des choses. Maintenant, il faut tous se poser une question. Maintenant, nous devons nous poser la question. Fais-toi répondre. Et répondre aussi à ces questions. Na oetali royauté. En ce qui concerne la royauté. Parce que quand le Seigneur a ébranlé les nations, parce que lorsque le Seigneur ébranle les nations, a ébranlé en réalité royauté. A son dingisané au condiment corps. Mais il faut vraiment oui. Mais tu dois savoir ceci, bien. Des choses ébranlables. Et les amis, qu'est-ce que c'est? D'abord, les sacerdotes lévitiques. On a attendu et y'a malé. Et tiens qui pour un homme. Cela a été établi pour un homme. Il y a beaucoup de signes qui sont là. Ébranlé dans son drame en drame et dans âgé 2. C'est pourquoi ce sacerdoce devait être ébranlé selon le programme de Dieu. Parce que Moïse était roi. Oui, était bon, ça sera qui peut être pour nous. Selon Deutéronome 33. Pour la mise en route de Deutéronome. Dans le verset 4 et 5. Il dit au verset 4 et 5. Lorsque le peuple s'assemblait, Moïse était le roi. Moïse Azalaki Kumu Yalibota. Donc la loi des Azalaïbota est aussi tout un royaume. Donc la loi parlait aussi de tout un royaume. Dans Deutéronome 33. Dans Deutéronome 33. Le verset 4 et 5. Le verset 4 et 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse nous a donné la loi. Moïse a fait ça qu'ils soient tombés. Héritage de l'assemblée de Jacob. Libula et Abissama et Yakobo. Verset 5 maintenant, il y a Deutéronome 33. Il était roi en Israël. Azalaki Kumu na Israël. Quand s'assemblaient les chefs du peuple. Tamoba. Et les tribus d'Israël. Donc, il était roi. Moïse. Mais il dit royaume ébranlable. Mais ce royaume était ébranlable. Et il y a monné tout autant à Hébreux 12. Et c'est ce que nous voyons ici dans Hébreux chapitre. Le changement des choses ébranlé comme étant fait pour un temps. Afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété et avec crainte. Donc, c'est-à-dire, ici, on est en train de le montrer. Le Seigneur a ébranlé qui la loi. Nzambe a ministre qui nous béco. Et le bon à Yango, et le signe de cela, dans la Zaraki na croix, lorsqu'il était à la croix, c'était la journée. Et Zaraki na mouri nous connaît ici les colons. Mais il a ébranlé le ciel. Nous deux côtés. Et la nuit est entrée. Ensuite, si Manabo, dans la rendre là, lorsqu'il a rendu là, la minissima, il a aussi ébranlé la terre. Tremblement et salé. Il y a un tremblement de terre. Voilà, nous, c'est ça, les mecs, pourquoi? Et pourquoi tout cela s'était passé? Agite. C'était pour accomplir Agé chapitre 2. Donc il a ébranlé les ciels. Anigisi Bigolo. Il a ébranlé la terre. Anigisi Mabele. Pour changer les choses. Afin qu'il puisse changer les choses. C'est ce qui est vrai de Jésus. Il y a beaucoup de cadavres et de mes amis. Moi, Père, ça qui sont au royaume inébranlable. Afin de nous donner le royaume pour Eninga. Le royaume inébranlable, c'est la grâce. Pour conduire Eninga la terre, nous voulons en tamer. Nous avons tout un royaume des sacrificateurs. Nous avons au continent de la Nzambe. Maintenant, par rapport à la loi, est-ce qu'on a dit ça en fait? La loi peut avoir un or, un argent. La loi aussi avait son or et son argent. L'argent, voilà ta. Je ne veux pas
Le verset 48. L'Écriture résume ce mystère. L'Écriture nous dit ceci. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'admirons sous Christ. Dans Nombre chapitre 3, le verset 48. Nombre chapitre 3, le verset 48. Tu donneras l'argent à Aaron. Et à ses fils pour les rachats de ceux qui dépassent les nombres des Lévites. Moïse prit l'argent pour les rachats de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Donc, argent, ils ont pas mis un palata. Palata, c'est différent avec l'argent. Il y a besoin de matière, c'est comme le métal qu'on extrait du côté des gouttes. On va se voir quand on va mourir. On va se voir quand on va mourir. On va se Amen. On rend la mort dans la Bible, c'est vrai qu'il faut la racheter. Et l'argent dans la Bible avait pour rôle de racheter. Et son portail. Et si tu observes, la loi. Mon péco. Et ça n'est là ma attribut avait utilisé les attributs pour Isaïe Jésus qui appartenait à Jésus Christ. Au moins les Moïse, tu vois Moïse a venu comme sauveur du peuple. Il parlait comme sauveur du peuple. Au moins les Moïse, tu vois Moïse, Zamba comme ici et Zambé. Le Seigneur a fait Dieu créateur. Mais Zamba qui prudence quand elle essaye. Mais le Seigneur était prudent pour lui. Je t'ai fait Dieu. Mais à son père, ça y est la loi. Mais il lui donne la loi. Près un commandement. Mais t'es quoi, les il n'aura pas une autre idée devant ma femme. Vous savez quand ça va être soutenu pour ce même. Tu vois sa face, mon fils à la. Il y a sa vie. Mais celui qui a fait de Moïse, c'est Dieu. Mais il parle avec lui. Le premier commandement. Mais t'es quoi, les il n'aura pas un autre idée devant ma femme. Vous savez quand ça va être soutenu pour ce même. Moïse pourrait lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait aussi? Tu m'as fait déjà fait grandir. Et moi, je suis là. Maintenant, tu es en train de faire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Après, mais ça y est, il nous a dit si. Le Seigneur lui a dit, tu as tapé à mon nez, il a les mots. Tu n'es qu'un signe. Élément. Cet élément-là, les amours, les hommes à Katia, les amours, le bon bibou est pour pas dans la mort. Vous voyez ma chèvre. Vous voyez mes chèvres. Ils avaient parlé comme des libérateurs. Vous voyez ma chèvre. Tu vois les généraux. Donc, et donc, on dit, on se fait dans Katia, n'a pas pour moi. Et tous ceux qui étaient dans ces hommes-là, en réalité, c'est qu'ils avaient des amis à Christ. En réalité, c'est là qu'ils leur appartenaient pas, mais à Christ et Jésus. Mais Dieu, c'est la de la maman. Maintenant, tous ceux qui étaient en eux, c'est leur ménage. Les animaux l'ont fait par là. Aux yeux de Jérémie. Vous prenez par exemple Jérémie. Vous envoyez pas Jérémie. Le Seigneur est venu vers après Jérémie. Après ses ministères. Il lui a donné un ministère. Alors, oui. Il lui dit ceci. Jérémie. Je t'avais connu depuis le sein maternel. Libouma maman, on t'a expliqué à la rose à Paul. Et celui qui explique le sein maternel, c'est Paul lui-même. La Romaine 9 appelle Mambo éternité. Et la Romaine 9, Paul l'appelle éternité. Alors lui, Batas expliquer prédestination. Lorsqu'il explique la prédestination. La Romaine 9. La Romaine 9. Alors lui, Rebecca, Bana Bazanekinaliboum. Il dit, Rebecca, les enfants étaient à tort dans le ventre ou le sein maternel. Mais l'Éternel a dit, j'ai aimé Jacob. Vous l'avez dit, j'ai aimé Esaou. J'ai aimé Esaou. Là, j'ai ventre et Rebecca comme éternité. Et là, le Seigneur a pris le ventre et Rebecca comme l'éternité. Et ça permet de la vie de la vie de la. C'est de la même manière que la vie de prier. Avant d'aller il montrait en disant, depuis le ventre de ma mère. Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, mon Dieu, depuis le sein maternel.
Ces ventres-là, ce n'est pas les ventres naturels d'une femme. Non. Prédestination. Oh, les gens en bas et bas. Où le Seigneur t'avait déjà connu. Lorsque tu es venu sur la terre, ça va couper son amour de la vérité. Ça va couper sa tout amour de la vérité, c'est un nom. Bolibo, yako, solo, sali, likabo, ça va pire là au pharaon. Le Seigneur l'avait privé à pharaon. Pharaon a ta sorti volonté. Même si pharaon avait reçu la volonté, ça va et puis c'est la Moïse à continuer. Mais le Seigneur avait dit à Moïse que pharaon ne vous laissera pas partir. Non, il a semé crédibilité dans la pharaon. Il avait semé cet investissement dans pharaon. Diable était. Ce n'était pas le diable. C'était l'éternel saint. Le Dieu saint. Il a dit, j'emplissirai le cœur de Pharaon pour qu'il vous réunisse. Mais c'est la façon. Mais non, c'est là. Mais il est sur le petit carmèche. Lorsqu'on te dit, abandonne les mèches. Toi, tu ne parviens pas à abandonner les mèches. Tu dis, je ne veux pas abandonner les mèches. Tu penses que tu es spécial, ma soeur. Et donc, tu as raison. Et ça veut dire que tu es roi. C'est par exemple le roi. Le roi Pharaon. Mais on adore la parole de Dieu. Il faut y avoir
Tu vas savoir qui s'y passe sur la terre. Toi et moi avions des dates de naissance. Cela veut dire d'autres nous avaient précédés sur la terre. Ils étaient là. Et d'autres sont partis, sont morts. Et leur temps avait cessé, ça avait pris fin. Tu vas savoir que si le Seigneur ne va pas se prêter aussi, nous aussi nous passerons. Mais salaire minime. Mais quel salaire obtiendras-tu? Salaire minime. Quel salaire? Est-ce que vous calmez ça vraiment? Est-ce que tu songes à cela? Le Seigneur a les justes et juges. J'appelle Samy pour simplifier à ces mots. Bonjour, c'est la récompense minime. Quelle récompense t'attends-tu? Il faut en espérance, il y a un saint. Le Seigneur nous a donné liqueur au sang. Que la parole que j'ai écoutée va sauver aujourd'hui. Mais tu sauras que cette parole t'a sauvé lorsque tu marches par l'obéissance de cette parole. Lorsque tu considères, tu honores cette parole. C'est ça la parole du Seigneur. Il y a un bon délire au royaume colo. Il y a un bon délire dans le verre à Jérémie. C'est pour moi que je parle à Jérémie. Pris l'exemple de Jérémie. Si tu prends Jérémie. Jérémie 1, verset 10. Jérémie 1, verset 10. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Nation, les lots, Nicolas, il y a Nicolas qui se ramène. Donc Jérémie, il y a qui établit pour la nation. Nation mon côté. Jérémie était établi pour toutes les nations de la terre, pas une seule nation seulement. Et si les royaumes. Que Nicolas y a par continuant sur la terre. Pour que tu arraches. Pour être un picola babo. Donc ministère à Jérémie. Dans le temple à Jérémie. Il faut picola Israël. Pour arracher Israël. Et pour piquer le picola. Égypte. Donc si arracher l'Égypte. Et vos picolas. Sidon. Déraciner aussi le pays. Et vos picolas. Moi. Déraciner le pays. Et moi. Atiami pour picola les nations. Il est établi pour déraciner ou arracher les nations là où elles sont plantées. Pour que tu arraches et que tu abattes. Payons au même puis ça, à Nicole. Pour que tu ruines. Pour que tu couilles. Et que tu détruises. Payons au même puis ça, maman. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Les nations. Si Jérémie déracine les nations, il reviendra encore les planter. Olona. Donc cette plantation. Ma texte à Jérémie. En lisant les textes du prophète Jérémie, Olona. Tu vas remarquer ceci bien. Tango azo picola. Jérusalem, Israël. Il arrache ou déracine Jérusalem. Il faut que l'apicole Jérusalem. Il faut que lorsqu'il déracine Jérusalem. Apicole, paix, la nation, il puisse aussi arracher ou déraciner le reste. Pourquoi les choses sont ainsi? Parce que Azouaki, Jérusalem, tout Israël. Parce qu'il avait pris Jérusalem ou Israël. Comme répétition d'Adam. Le corps a combattu la manisous, il y a Adam à l'imposo. Tant qu'Adam, oui. Lorsque Adam est tombé. Toutes les nations, oui. Nous sommes à mais les goyens qui l'aiment. Ah, bon. C'est ça. Il y a un mot de ma première idée. Il faut comprendre comment on est des actes. Tu vas comprendre les écritures de la oui. Donc la création et tout. Alors, le col à vous roi Israël comme Adam. Comme il prend Israël à répétition d'Adam. C'est Israël qui a péché devant la loi de Dieu. Ça dit, ça l'a aidé à soumouquer pour son. Adam l'a soumouka, yote. C'était un seul homme, Adam, qui avait péché. Ça va venir un problème d'Israël. Israël. Le Seigneur avait un problème contre Israël. Mais là, il y a un problème, on raconte si. Mais dans ces problèmes, il a fait entrer toutes les nations. Il y a un problème qui est un seul à quoi il y a une fille. D'abord, on va voir comment on peut faire la soumise. Il y a un roi et qui est tout. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Le Seigneur on a vu brouiller, il y a Jérusalem. Et le Seigneur l'a accompli dans la vie de Jérusalem. Il y a beaucoup de remarquer ta raison prophétisée. C'est pourquoi lorsque tu vas remarquer dans la prophétie, à permettre à élever un serpent appelé Babylone.
Babylone. Il a permis l'élévation d'un serpent qui est Babylone. C'est seulement le fait que ma nation basalie sous l'emprise du malin. C'est seulement les nations qui se retrouvent sous l'emprise ou sous le pouvoir du malin. Mais on peut remarquer maintenant dans Soukaya, il y a un livre à Jérémie. Maintenant tu vas te retrouver, tu vas remarquer à la fin du livre de Jérémie. Dans Jérémie 51. Dans Jérémie 51. Azolo Baboué. Le Seigneur dit ceci. Verset 7. Le verset 7. Jérémie 25. En lisant Jérémie 25. À quoi si Jérusalem? Il a ruiné Jérusalem. Pourquoi ne vous en Babylone? Qu'elle a en captivité en Babylone. Mais après si Jérémie, il coupe aussi pour amener à toutes les nations. Mais il a donné à Jérémie coupe de beurre afin de la donner à toutes les nations. Coupe-moi. Et cette coupe. Dans verset 7 Jérémie 51. Au verset 7 de Jérémie 51. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Babylone est là qui n'a pas encore eu Yahweh au bol à qui n'y a pas le salut à vie. Donc, coupe-moi après ça dans Jérémie, Jérémie 25, verset 15. La coupe qu'il avait remise à Jérémie. Jérémie soit coupe pour lui. Jérémie prend cette coupe. Mais lui, ça va dans son union. Et fait la boire à toutes les nations. Amen, la balangue à ma casse. Qu'elle boive et qu'elle s'enivre. Coupe-moi s'appelle Babylone. Qu'elle y a une vigne ou une Babylone. Et soit toute la terre. Et cette coupe avait emporté toute la terre. Et Boukhanessar a dominé qui la terre. Et Boukhanessar avait dominé toute la terre. Et nous voyons les amis aussi des champions dans le qui est quand la chute d'Adam est acquis. Et cela montre aussi que lorsque la chute d'Adam est venue, toutes les nations basant sous l'emprise du mal. Bicolonio se compte qui nassé à Bokondi à Moïsa. La montre basant même à Apocalypse 17, Babylone la grande. C'est pourquoi l'Apocalypse, quand on parle de Babylone la grande, tous les habitants de la terre ont dit et sont vains. Alors, il va falloir qu'ils nous soient rappelés par l'âme. Et tous les rois de la terre, basant une impudicité. Et tous les rois de la terre ont commis la débauche avec cette femme. Donc, si vous voulez que nous continuions toujours dans Jérémie 51. Et si tu continues Jérémie 51. Verset 9. Le verset 9. Il voyait pas que l'église à Thyatire. Tu vas savoir que dans l'église de Thyatire. Oh, il y a un bazar à Jézabel. Et c'est qu'on dit au sujet de Jézabel. Jézabel a mort la volonté matée. Jézabel ne se répond jamais. Nous avons voulu maintenant guérir d'abord Babylone. Ils sont en train de dire qu'ils sont à Babylone. Ils sont en train de dire Jézabel même. Si tu observes Jézabel, c'est la même chose. Verset 21. Au verset 21. Après, il faut se répandre. Elle a refusé de se répandre. Il y a beaucoup la volonté matée. Jézabel ne se répond jamais. Au vu verset 9. Vous prenez le verset 9. Il y a Jérémie 51. Jérémie 51. Nous avons voulu guérir Babylone. Il sort de l'Igat qui tombe qui s'en Babylone dans la Bobo. Mais elle n'a pas guéri. Parce que Babylone n'a pas pu quitter. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous n'avons pas l'Igat. Abandonnons-la. Il sort de Tikaïe Pétokéda. Et allons chacun dans son pays. C'est verset dit ici. Babylone a dominé Égypte. Babylone a dominé sur l'Égypte. A dominé sur la dominé ma nation. Il a dominé sur toutes les nations. A comment qui va soutenir. Donc ils étaient ceux-là qui soutenaient Babylone. Mais maintenant le corps a pas guéri. Maintenant quand Babylone est passé. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Égypte a le même tout cas signé au pétrole. L'Égypte a dit vraiment j'étais trop soutenu. Et moi je retourne dans mon pays. Assyrie par le bien, Assyrie et autre. Et la Syrie aussi dit j'étais trop soutenu. J'étais trop soutenu. Je retourne aussi dans ma patrie. Vous aurez le malheur de les assurer. Suivez attentivement. Abandonnons-la. Et que chacun a gagné dans son pays. Mais bon, qu'on a beaucoup à son pays. Donc, Vexion, ils ont considéré. Jérusalem. Dans ces versets, considèrent Jérusalem. Le règne va continuer ma captivité parce qu'il y a un pays. Comment est-ce qu'ils vont quitter la captivité? Ils ont considéré aussi ma Moab. Ils considèrent aussi les Égyptiens. Ils ont considéré l'Égypte. Les Égyptiens. Chacun dans son pays. Mon corps à mon poisson dans la Mokane. Yamone Jésus a béni la Matthieu 19, verset 28. Renouvellement de toutes choses. Et c'est ce que Jésus a appelé la Matthieu 19, 28 aux hommes qui savent un citoyen camonios. Donc, sur mon dernier texte. Donc, si tu lis le texte, Jérémie Azanani Gata et les mots Azana or, Nagatirina Arjan.
C'est pourquoi tu vas remarquer. J'ai vu quelques témoignages. Je prends quelques témoignages. La manière dont le Seigneur juge ou frappe les nations. Alors, il y a Jérémie. Du temps du prophète Jérémie. Mais après cela, à l'élever. Il relève. À frapper. Il frappe. Après cela, à l'élever. Il relève encore la nation frappée. Donc, ce qu'on termine avec l'écriture, dans un moment où on est bouqué, t'as vu Jérémie 48. Jérémie 48. Ce qu'on termine avec, dans un moment où on est bouqué, autant dans Jérémie 48, dans Jérémie 49, Jérémie 48 et Jérémie 49, ont présenté le lingue Zambé à frapper. Nation, mais en ici. Comment le Seigneur fait ça? Dans une Jérémie 49. Il a rétabli Jérémie 49. Soko, Tali, les Bandeli, Hazard, ont frappé les enfants d'Amon. En disant qu'au début, il frappe les enfants d'Amon. A frappé les enfants d'Amon. Mais au dernier verset 6e. Mais au verset 6. Il y a Jérémie 49. Après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Amon. C'est ça, abandonnons-la. Chacun a son dans son pays. Les Ammonites, par exemple, les Ammonites, ils étaient frappés. Mais ils devaient retourner après dans leur pays. Donc, Esa est délé à Wawa. C'est vraiment dans le pays. Dans le pays, il y a Biblia. Dans le langage biblique. Donc, Esa, ce qui a bêti nation. Le Seigneur frappe une nation. Après Wawa, a sali que Asa l'a ramené à Zoma dans le pays. Il fait que cette nation retourne dans sa patrie, dans son pays. Au Zoma, Wawa, il y a monné le Seigneur à Benaka, rétablissement de toutes choses. Et c'est le tout, c'est ça le rétablissement de toutes choses. Donc, oui, et croyez-vous dans ce qui était renversé, mais et aux zones. Mais cela sera rétabli. Aux zones, normalement, il y a mes actes. Tu suis attentivement. Mais à jouer rôle, voilà, à Kati à Jérémie. Mais le Seigneur a accompli ses rôles dans le prophète Jérémie. A déraciné. Donc il a déraciné. Ensuite, a planté. Déraciné à l'omnibus. Donc, à l'onica qu'à Jérusalem, il n'a pas seulement replanté Jérusalem. Mais ce qu'on a mis prophétie, naïe, à l'onica sous la nation. Mais en suivant la prophétie, il a encore planté les nations qui étaient arrachées. Yamo foye baboué. C'est pourquoi tu vas savoir ceci. C'est écrit, Igoumama, que la nation va pouvoir adorer la bête. Après la mort des désoins, mais cette adoration est incroyable. Alors s'établira cette adoration abominable. Pourquoi nous l'affirmons ainsi? Daniel 12, chapitre 12, dit ceci. Nous le disons au nom de Jésus-Christ. Daniel 12. Daniel chapitre 12. Toujours verset 11. Dans une même verset 11. Le verset 11. Depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels. Et où sera dressée l'abomination du dévastateur. Il y aura 1290 jours. Donc, ce qu'on dans Daniel 9 aussi. Si tu prends Daniel 9, verset 27. Le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et offrandes. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu
fondent sur les dévastateurs. Qui ont tapé tes cocos et appelons ce cas la machine à tina na équelle la vie. Les mêmes prophéties pour eux. Et c'est ce que Jésus avait dit par Matthieu 24, le verset 15. L'abomination dont le prophète Daniel a bâti. L'abomination de la désolation dont avait parlé le prophète Daniel. Il nous a établi en lien saint. Et qu'on tient à mener les cités à l'essence. Lien saint, on les a. La bouillette. Et ce lien-là, ce ne sera pas un bâtiment. Non. Lien-là, c'est tout un peuple. Et ça dit l'hypota au bimbande. Israël. Oui, ça dit l'hypota Israël. Vous en avez un, hein? Amen. Au moins, ils sont autant dit Apocalypse 11. Vous voyez, en lisant Apocalypse 11. Alors, puis, on mesurait le temple et ceux qui adorent. Là, on mesure le temple et ceux qui adorent. Mais les parvis. Parce qu'ils n'ont pas voué à casser les mesures pas. Ils ont conçu les mesures la beauté. Et puis, ça mène à ma nation, pas pour fouler. Maintenant, parce qu'on interprète parvis. Maintenant, on interprète le parvis intérieur. Et puis, ça mène à ma nation, pas pour fouler Jérusalem. Donc, parvis, on va mettre dans le temple, parvis. Dans le parvis du temple dont on parle. Et Apocalypse 11 est un mot peuple. Apocalypse 11 s'appelle comme tout un peuple Jérusalem. On se mesure Lévitique 6. Alors, prenons Lévitique 6. Autant qu'on en a mis le long mot. Marchons ensemble. Comme tu dis, ne t'inquiète pas. Oh, nous avons fait ces impôts dans la facilité dans ma cam. Tout ceci, je donne afin que tu aies la facilité dans ces jours. Parce que le problème, c'est là qu'il y a une difficulté pour comprendre Jézabel. Oh, il y a une balle. Parce qu'il y avait la difficulté de comprendre Jézabel qui avait apporté les balles. Tout le monde n'a osé deux. On a vu dans Osée chapitre 2. Et t'as nous avons ramené Israël. Na désert pour nous parler à et lorsque le Seigneur va amener Israël dans le désert pour parler à son cœur, à Kolomola, Baal na mboko. Il ôtera de la bouche d'Israël le nom de Baal. Donc il dit Koloba, bah il y a déjà Kotia Baal. C'est là venir, on était venu établir Baal dans le peuple. Non, il y a qui n'a Baal. Et qui a fait apporter Baal? C'est Jézabel. Et ça dit moi si Jézabel. Mais ça va ça le programme à côté Baal na mboko na yé. Mais le Seigneur a fait le programme d'ôter les noms des bas de la bouche d'Israël. Donc déjà, maintenant, on nous montre que Israël, Israël, le Seigneur le donne lorsqu'il va retourner à la parole. Adoration à Koukoum, à Naïmou et Gozalé à l'œuvre. Donc Israël aura à ce moment-là l'adoration. Sacrifice. Des fruits de sa lèvre. N'est-il de l'homme à l'air soir. Par exemple, nous aujourd'hui dans cette année. Nous sommes tous en nous sacrifions. Mais ça, sous les capteurs à Taba, aux hommes, ceux qui n'ont pas encore nassé à Maï, on a envoyé à Taba, au Tumbapo, dans un peu. Mais ce ne sont plus des sacrifices charnels à offrir à Dieu. Mais cannabis est vrai, mais il est mis sur la dresse. Mais nos sacrifices, c'est des mots qui nous le disent. Sacrifice, c'est ça. Les fruits de la bouche, la vision qui confesse son nom. Notre sacrifice, c'est le fruit de nos œuvres confessant le nom de Jésus. Nazu exemple. Je prends un exemple. Na tango ya apôtre. Du temps des apôtres. Na acte 12. Dans acte chapitre 12. Kosa la enseignement oyote. Il ne faut pas voir cet enseignement. Oyo matumazolo que Israël a besoin de la mutumba mataba. Que Israël va retourner dans les sacrifices charnels de la loi. Wana lité ya yama. Bim! C'est un mauvais, un faux enseignement. Un faux enseignement. Le corps a on dit, comme on a dit que c'est l'esprit d'Eli qui viendra, esprit à Eli, l'esprit Jean-Baptiste. L'esprit d'Eli était d'abord dans Jean-Baptiste. Et il a la côté à ta physique. Et cet esprit n'a jamais prêché des boucles charnelles. Non. Mouyouda Yoka, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, avec les boutons, oui. Donc, vous travaillez pour l'imbola. Donc, celui qui a commencé à Eli. Mon livre est Elia. Et bien, il m'a appelé l'agneau. Moi, n'a pas été à sa maintenant, maintenant, tu penses que l'Apocalypse 11, ce sera des sacrifices charnels? Non. Donc, l'esprit de lui va leur apprendre la vraie adoration. Parce que tant que le Seigneur a fait un miracle, il y a parce que lorsque le Seigneur avait accompli le miracle, les
Les gens avaient mangé en finit de manger. Les mêmes pères étaient restés aussi. Mais ça arrive qu'on a 12 paniers. Mais c'était dans 12 paniers. Donc, les gens, le matin, plus sont aux oliens. Ça veut dire lorsque nous sommes en train de manger. Voici ça, les manières aux nous n'avons pas épuisé tous les pains. Ils sont aussi ici. Lorsque nous sommes. Même le papa. Le même père. Nous en avons à Israël. C'est arrivé aussi les nourritures à Israël. Celui qui aux oliens à grâce. Si nous mangeons la grâce, Israël a volé la grâce. Israël aussi à son tour mangera la grâce. Il y a un reste à faire après que tu vas aller après. C'est ça le reste de pain après que les gens aient mangé. Supposons acte 12. En prenant acte 12, l'écriture est l'écriture nous dit ceci. Hérode, le roi Hérode, m'a conduit mon sous-sous avec alliance dans Hérode. Il y avait d'autres chefs qui avaient fait alliance avec lui. À partir du verset 20. Le verset 20. 10 à 24. Jusqu'au verset 24. J'ai le nom de Jésus-Christ. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens. Et les Sidoniens. Et Nicolas Baïsidon. Texte n'entend pas comprendre. Pourquoi je lis ce texte? Dans un temps, on a expliqué l'abomination. Je le lis pour expliquer l'abomination. Pour faire cesser les sacrifices. C'est un exemple pour que nous comprenions. Parce que dans cette alliance, sacrifice est un fruit des lèvres. Le sacrifice, c'est le fruit de nos lèvres, nos paroles. Dans nos osambes, lorsque tu pries, élèves le nom du Seigneur. Lorsque tu élèves le nom du Seigneur, il est au bas aux autres demandés. Cela veut dire que tu es en train de sacrifier. Maintenant, ce qui au nombre de commandes amène à Bible. Maintenant, si tu ôtes ou enlèves le nom de Dieu, pour remplacer, et tu remplaces ces noms-là, c'est l'avenir pour faire cesser sa touche. Il faudra au tati qu'on peut s'améliorer et entamer à son. Oyo, maintenant, au bandit, au tombe, on est commis abomination. Maintenant, ce que tu commences à élever par tes paroles devient abomination. Parce que la grâce, parce que dans la grâce, sacrifice est un fini de l'air. Mais que ça dit même à l'obanabisseur. Maintenant, mettons un témoignage. Maintenant, nous prenons ce témoignage. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens. Hérode a salaki na makungi si amapé Nicolas Baïti. Et les Sidoniens. Et Nicolas Baïti. Mais ils veulent les trouver d'un commun accord. Et Baïti na Baïti no paiki ko kutaye na bosango. Voilà verset 21. Il y a acte 12. Et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix. Parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. Et à la verset 21 à acte 12. Le verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses amis royaux, à l'attaque de la main à Bokoti. Et assis sur son trône. Les haranga publiquement. Vous avez la main à moi? Pour les laisser ça. Koloba. Mais ce sont des paroles qui séduisent. Pour dominer. Le peuple s'écria. Voir les dieux. Mon nom est en train de déjà va nommer ça changement sacrifice. Donc ce qu'ils ont mis, c'est le changement des sacrifices. Les a établissements un sacrifice pour Dieu. Les a contient à mettre en soi. Parce que Manobamana les a fruit à lèvres et confessé comme il y a Hérode. Parce que c'est le fruit de lèvres qui a confessé le nom. Sacrifice aux anamons les noms. Les sacrifices que nous avons déjà a fruit à lèvres où ils ont confessé le nom de Jésus. C'est le fruit de lèvres confessant le nom de Jésus. Pour la montagne, c'est que Manobaki va les acquis abominables. Pour montrer que ce qu'on a venu était abominable. Au même instant, on a fait ce vêtement. Un ange du Seigneur le frappa. Moi, je ne vois pas Hérode. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de verre. Donc, Batouane. Donc, ces gens-là. Ah, oh, bah, tout le monde a dit, voix d'un Dieu. Ceux qui ont élevé des autres comme un Dieu. Ils ont considéré comme leur sacrifice, Nathan, Hérode. Donc, ils ont considéré Hérode comme leur sacrifice en ce moment. Donc, bâtir la trône à Zambé. Donc, ils ont placé Hérode sur le trône de Dieu.
Alors le Seigneur, cette irrité, elle a frappé. Je prends cet exemple pour te montrer que Daniel 9, verset 27, la page de Daniel 9, 27, faire cesser les sacrifices et l'offrande. Au kata libota pebeka, veut dire quoi? Il dit qu'on va dire. Et ça, on veut dire Israël. C'est la manière dont Israël, la simalité à ma désoin, après l'enseignement de 2 ans, l'idée à ma désoin, l'enseignement de 2 ans, et ça va dans Osée 14. C'est tout dans Osée 14. Verset 1 à 2. Le verset 1 à 2. Parce que madame, nous, c'est pour rien ce qui a été, ce qui sera. Oh, oh, et ça va gagner, Koko Maka. Osée 14, verset 1 à 2. Osée 14, le verset 1 à 2. J'ai mis ça au nom de Jésus-Christ. Israël, Israël, reviens l'Éternel ton Dieu. Car tu es tombé par ton iniquité. L'iniquité d'Israël, l'iniquité d'Israël, c'est la manière dont il avait rejeté Jésus-Christ à la croix. Parce que l'iniquité a changé de Dieu. C'est le premier commandement. Tu n'auras pas un autre Dieu devant notre Dieu. Car Dieu bénit l'iniquité. Après ça, et tout le monde a la monnaie. Donc l'iniquité s'est changée de Dieu. L'iniquité, comment vous l'avez dit? Et c'est pourquoi il a mis ça Pilate. C'est pourquoi il avait dit à Pilate. En Jean 19, verset 10. En Jean 19, verset 10. Oyo anifrenga et panayo, celui qui me livre à toi à commettre le plus grand péché. A salisou ya mon aimé koleka. Donc à Israël au moyen, il montra qu'Israël a tué plus grand péché. Israël a commis un plus grand péché. C'est l'iniquité. Yabonne peut mon aimé. Mais cette iniquité vous allez pardonner. Mais bon à mon aimé colibri samaka. Voyez mon balobaki, parce que lui-même avait dit, c'est lui qui péchera contre le fils de l'homme. Mon Dieu a tout cas, moi là mon Dieu. Il est vraiment hasard, vraiment. Mon Dieu a la bibéo pour l'intérêt à Banana. Et Jésus vraiment était le législateur pour l'intérêt de son fils. Et lui-même il a donné sa contre le fils de l'homme. C'est lui qui va blasphémer contre le fils de l'homme. Déjà le législateur avait établi son pardon dans la suite. Il doit péché contre les saints des saints. Pardon le péché. Il ne tiendra jamais le pardon de son péché. A continuer le tir d'abord, il y a Osée 14. Je continue Osée 14. Alors, papa, il va monter maintenant Israël à son anantina. Maintenant, ceux qui prêchent à Israël de retourner sur la bonne voie. Le verset 2e, verset 14, c'est le dit. Le verset 2, verset 14. Apportez avec vous des paroles. Bon, mais maintenant, il n'y a pas de maloba. Et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Et reçois-nous favorablement. Mais il n'y a pas de nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Parle ou montre le temps du ministère de Dieu. Parce que dans l'ère à Osée, parce que du temps d'Osée, à Zara, ils vont sacrifier ma taureau. Ils offraient des sacrifices ou des victimes charnelles d'abord. Donc, verset, ils ont considéré l'ère à ma montée. Ces versets ici ne concernaient pas les temps. Quoi. Mais à prophétiser. Mais les prophètes n'avaient prophétisé seulement. Alors, il y a dit un temps. Oh, bah, ouais, on était à Israël. Il avait parlé d'un temps qui viendra prêcher. Pour la tique à iniquité, à côté de l'iniquité. En fait, il puisse quitter l'iniquité dans laquelle il est. Mais Israël n'apportera pas de taureau. Il va apporter les paroles, les hommages de l'homme. Maintenant, il faut pas l'iniquité à Israël, les amis. Maintenant, tu vas chercher ce qu'est l'iniquité d'Israël. Ils ont rejeté Christ. Pourquoi t'as dit Christ au Jésus? C'est ça l'iniquité à Israël. Il n'y a même pas de paroles. Vous en avez un, attentivement. Mais ma beauté, à ma beauté, pour pas se répandre. Mais on va les prêcher pour qu'ils se répandent. Là, ils ont un ministère à des gens. C'est vraiment le ministère de Dieu. Texte, nous avons pour ami. Pourquoi j'ai pris ce texte? Azui pour la beauté à Israël. J'ai pris pour le monde. Ma beauté, à Israël. Lorsque les deux hommes viendront prêcher.
péché Israël, à côté Israël ils ne vont pas prêcher à Israël de sacrifier des victimes charnelles. Non, ils attendent. C'est ne sera pas ici. À côté Israël pour aller à Christ. Ils prêcheront Israël la connaissance de Christ. Christ comme véritable sacrifice. Christ comme victoire solo. Maintenant, après la mort, il y a des joints. Maintenant, après la mort de deux témoins. Alors je parle de l'établissement de l'abomination. Israël, dans la commune, le pouvoir de la bête. Lorsqu'il verra le pouvoir de la bête, le lingue allonge le désordre. Comment est-ce que la bête a vaincu le détermin? On est dans le verset 7e d'Apocalypse. Et cela se trouve au verset 7 d'Apocalypse. Il faut s'en servir directement dans le verset 4 d'Apocalypse 13. Tu dois marier cette écriture au verset 4 d'Apocalypse 13. On a toute la terre et pour le bas. Qui est semblable à la bête? Il n'y a pas qu'aucun de la maillot. Qui peut combattre contre elle? Il n'y a pas qui au bout de ça. C'est que le fruit à lèvres est changé. C'est là venir, la terre avait changé le fruit de lèvres. Donc, et faire cesser le vrai sacrifice. On a fait cesser le vrai sacrifice. On avait établi sacrifice moussous. Enfin, qu'on puisse établir un autre sacrifice. C'est ça l'abomination dont a parlé les prophètes. C'est ça l'introduction et la balle. Il y a bon des cocottes et la balle dans vos caïssans. Il faut y avoir un tu dois savoir ceci. Jézabel a compté na Israël. Jézabel était entré en Israël. L'Anzéla y a autorité à Israël. Par l'autorité ou par le roi d'Israël. Il faut y avoir un temps. Mais tu dois savoir qu'en ces temps-là, les autorités israélites, par contre, il y a mon caïssans. Vont rejeter la parole. Vont rejeter la parole. Quand on est les hommes que Jézabel a condamné à niveau de la royauté. Parce que Jézabel était entré par la cour royale. Vous aurez un moment. Amen. Donc, une alliance avec Juifs. Jézabel. Et facilita la force adoration. Cela veut faciliter l'introduction et l'établissement de la force. C'est ce que nous avons expliqué. Après la mort à deux hommes. C'est ce que nous expliquons comme événement après la mort de deux hommes. Il y a un témoignage dans Daniel 11. Il y a un témoignage dans Daniel 11. Nathan et l'Empire grec. Du temps de l'Empire grec. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Il y avait un événement qui s'était passé. Que l'Empire. Moto et Amabé à Yahoo. Aloukaki, qui par tous les moyens a séduit les gens au Vatican qui l'étaient. L'Empire avait cherché à séduire les traîtres de l'Alliance. Donc les traîtres de l'Alliance. Parce que le Abonné l'ennemi à Ozoa. C'est eux que l'ennemi va à Zabaïda. Ils étaient des Juifs. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu. L'Apocalypse, ce sont les sacs de la catégorie. Agiront avec fermeté. Ils ne seront pas séduits pour rejeter la parole. Maintenant le Seigneur Dieu. A cause en a besoin. Il aura besoin. Il y a pour ébranler le royaume. Il y a pour qui ça pour continuer à l'école. Royaume on a l'école. Et ce royaume-là des nations. Jusqu'aujourd'hui, tel que nous sommes. Ce royaume-là domine, existe toujours. Il y a votre verset du verset 18e et Apocalypse 17. C'est pourquoi on avait donné le verset 18 d'Apocalypse 17. La femme, c'est la grande ville. Moi, si vous allez au Gumba et à Monet, qui a la royauté, vous allez à Salina Boko. Sur le roi de la terre. Nicolas va continuer à communier sur la mêlée. Maintenant, la carte à la nation. Maintenant, parmi les nations de la terre. Bon, on a nommé d'abord le début. Parce qu'au début, j'avais parlé. Il y avait des grâces dans la carte à ma prophète. C'est ça qui n'a pas voulu date à ma sacrée. Ma grâce n'y en sera. Et toutes ces grâces-là, ils ont comme l'or et l'argent. Ils ont comme l'amour au péparat. Tant que vous avez à ébranler le ciel et la terre à la croix. Lorsque le Seigneur a ébranlé le ciel et la terre à la croix, l'or et l'argent est conti dans la dernière maison. L'or et l'argent sont entrés dans la dernière maison. La dernière maison, c'est la maison où ils ont mis mon amour là. Résurrection. Et la dernière maison, c'était le corps avec lequel Jésus. Parce qu'il provenait déjà de l'époque. L'argent doit se retrouver dans la dernière maison. Alors l'or et l'argent doit se retrouver dans la dernière maison. Et avant, il faut dans la gloire. Et avant, le Seigneur les a dans la terre. T'as voici à obéir. Lorsqu'il a déjà obéi. Jusqu'à la mort. A dit, à la mort de la croix. La c'est pourquoi Dieu l'a souverain.
Mais il y a aussi un homme dans la vie. Oh, il y a Zangi proche, pas.
c'est Jésus-Christ. Israël a la réalité. Israël aussi a des et le pays des libérateurs viendrait de Sion. Oui, qui Sion aussi connaît avec mais maintenant, il y a des rédempteurs. Qui sont ceux-là qui montent les rédempteurs? Ce sont toutes ces nations. Les habitants ont qui dit qu'on en est appelé par ça qui aussi connaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va manquer de rédempteurs. Lorsqu'ils manquent des rédempteurs, à des proches parents, ils manquent des proches parents. Ils attendront des jubilés. Par contre, c'est l'année qu'on connaît un jubilé. Vous avez un jubilé? Du temps du jubilé. Oui, on lui ravira la parcelle, il sera d'excellence. C'est pourquoi on a les règles du millénaire. Il sera pas là. Ça, pour la Moussanaté. Dieu prendra cette guerre à l'Ongoli. Ça vient combien à l'Ongoli ou pas moi? À l'Ongoli, il n'y a pas de bateau, mais ça vient de maintenant, il enlève la parcelle, mais ceux-là qui avaient manqué des proches parents de l'Élantin. À ça, les proches parents. Ils ont manqué des proches parents. Mais on va jouir dans ta adoration. Mais ils jouissent, nous, ils jouent du temps de l'adoration. Ils sont aux âmes alimentaires. Nous vous en parlons. Papa, le Lévitique 25 du bien. Il faut bien lire le Lévitique 25. Aux âmes alimentaires, tu suis attentivement. Il y a un moment, non? C'est pourquoi tu vas remarquer. Il faut d'ailleurs comprendre lequel. Tu dois comprendre bien. Agir dès d'abord. Agir chapitre 2. Avant d'appeler ça psaume 22. Avant de donner l'écriture de psaume 22. Agir 2, verset 20 à 22. Agir 2, le verset 20 à 22. Agé chapitre 2, verset 20 à 22. Agé chapitre 2, verset 20 à 22. Nous allons sur la mission de comprendre, madame. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Le Seigneur a la Bible. Le Seigneur nous dit ceci. N'as-tu pas verset 22e? Je pense que c'est le verset 22. Abani dans 21. Le verset 20. Par la Zorobabel. L'homme là, Zorobabel. Gouverneur de Juda. Mon tapé Goumayuda. Et dit. Béloba. Voilà la verset 21 et AGB. J'ébranlerai les cieux. Nakonini saka makolo. Et la terre. Péma béni. Je renverserai le trône. Nakokwei saka mwete moko. Des royaumes. Yapa biko le béni. Trône on est à mon état la police. 17 verset 18. C'est ce trône qui se retrouve dans l'Apocalypse 17 verset 18. La prostituée. Moi, si nous parlons. Babylone la grande. Babylone la monnaie. Azan la royauté. Elle a la royauté. Décollé par roi Nyon sur la terre. Sur tout le roi de la terre. La puissante nation aujourd'hui. Et Colo Yambouya de l'Europe. C'est Vatican. Les amis Vatican ont la Rome. Amen. Là, dans l'écriture. Moi, j'ai l'écriture. Je suis dans l'écriture. Apocalypse 17, verset 18. Apocalypse 17, verset 18. Alors, je n'ai pas dit les États-Unis. Ah, non, non, verset. Moi, j'ai les versets. Babylone la grande. Babylone la grande. Hasard des rois. Il est le roi. Des rois. Yaba. Et la terre. Yaba. Verset la terre. C'est ça le verset. Non, mais vous voyez la même verset. Maintenant, tu vas m'apporter les versets des États-Unis. Non, la version Apocalypse 17, verset 18. Moi, j'ai les rois. Apocalypse 17, verset 18. La femme prostituée a la royauté. Moi, si tout passe à la royauté. Nicolas, il y a un roi Nyon sur la terre. Sur tout le roi de la terre. Mais à vous travaillez dans les liens d'ailleurs. Alliés d'ailleurs. Mais elle travaille avec ses alliés. Alliés d'ailleurs à ma case, c'est ça. États-Unis, même à Grande-Bretagne. Et ses alliés vitales sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Bonjour, la maman. Suivez attentivement. C'est ça la Bible. Il y a beaucoup de Bibliens en Tamil. Parce que vous quand même dans l'information. Parce que tu vas t'attacher aux choses. Oh, Nicolas a commis en Russie. Ces derniers temps, c'est la Russie. Oh, Russie à Poutine. Oh, la Russie, le vent de Poutine. Oh, Russie à Poutine, ça dit Satan 2. Ah, la Russie a commis Satan 2. Satan 2. Elle a commis grande puissance. Elle est devenue la grande puissance. Tarnaké, il faut lire l'écriture. Et ça vaut tout à ma casse. Sauf que nous, vous écrivez, mais attends, la chose n'est pas la chose. Moi, je vais demander que sur l'écriture, il connaît. Et vos hommes avant la position. La chose ne va retourner que dans la position de l'écriture. Vous avez un nous faisons bien comprendre. L'écriture, les amis, que la femme prostituée. L'écriture, que c'est la femme prostituée. Il y a des années, la royauté qui connaît par roi. Non, celui qui a la domination sur tout le monde. Mais la royauté, on a les babéni à mon unique trône. Maintenant, c'est cette royauté qui a jamais l'unique trône. Il y a un royaume, Nyon sur la terre. Et tout le royaume de la terre. Ça, mais t'as pas besoin de quoi il s'est amour.
ébranlé d'abord les cieux et la terre pour changer. Loi à côté grâce. Il est mort d'abord les yeux et la terre pour changer la loi pour et entrer dans la grâce. A quoi ébranlé aussi les cieux et la terre pour renverser l'unique trône où est Nicolas et la royauté. Il va ébranler aussi les cieux et la terre pour renverser l'unique trône qui est au-dessus de tout le monde. L'abonné, Apocalypse 16, verset 16. C'est ça, Apocalypse. 16, verset 16. 16, verset 16. Armageddon. Il tombe, il y a Armageddon. Apocalypse 17, verset 14, na 15. Apocalypse 17, verset 14. Adam ici que le Seigneur, l'agneau dédié à vous combattre contre les rois de la terre. On a montré que l'agneau combattra contre les rois de la terre. T'as à combattre un roi de la terre. Lorsqu'il va les combattre. Et nous, on est dans le monde, on est dans le monde. Alors qu'est-ce qu'il voudra ravir de ces rois? Or, non, je ne peux pas l'attendre. Donc, pour continuer les salles, donc, la royauté qui est chez nous, nous face à mon compte. Donc, la personne qui va être roi, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. D'accord. Alors, il la leur ravira. Vous en avez un? Amen. Bah, continuons à voir, ok? Ces rois-là peuvent vivre ce qui n'a été au Covid. Il était moi, tu n'aurais pas vécu. C'est la bénédiction de sa casa dans l'argent. C'est la montre qu'il a l'argent, les rachats. Oh. Hein, pour vivre. Dans sa vie. C'est moi. C'est l'avenir qui détient de l'argent. C'est l'avenir qui détient de l'argent. Ils ont besoin que les gens, leurs acteurs, fassent allégeance à eux-mêmes s'ils ont des agents. C'est l'or. Et ça dit moi. Mais le Seigneur nous sera nous toujours qui parle. Mais tout cela va retourner au Seigneur Jésus. Et avant de faire deux passages. C'est pourquoi je vais lire deux passages. Bon, ainsi, ça. Pour achever la séance aujourd'hui. Vous allez obligé dans le bénévolat pour tout comprendre. Je serai obligé aussi d'en parler demain afin que nous comprenions. Parce que Jézabel. Jézabel, son potanié, si tu observes, dans 1 roi 18, à ça qui rôle Yakoboma, ma prophète de Dieu. Il avait conçu le projet de tuer tout le prophète. Or, ce qu'il y a dans Apocalypse 17, en venant dans Apocalypse 17, la femme prostituée, moi si nous va, a trouvé qu'il n'a qu'à tenir les sangs des saints. On avait trouvé en lui qu'elle était ivre des sangs des saints. Vous en avez un moment? Amen. Jézabel a dit n'a pas ça à établir n'a qu'à tenir Israël. Fausse adoration. Jézabel avait besoin d'établir la fausse adoration des Baals en Israël. C'est extrêmement Babylone à quoi ici. Ça c'est un peu comme Babylone à mon émission. Azon Mélissa m'a appelé la veine et la publicité. Elle a brevé tous les habitants de la terre de son vin la vie. Et on a pris la Jézabel. Et c'est elle-même Jézabel de l'ombre. Azon formulé programme à effacer tout azon gardé enseignement. Elle conçoit le programme d'effacer ceux qui sont fidèles à l'enseignement. Prenez que tout le monde a dit Nabot. Comme on l'avait vu avec Nabot. Dans 1 roi 21. Dans 1 roi 21. Nabot a dit qu'il a pour trahir la parole. Nabot a dit qu'il ne va pas trahir. Parce qu'à côté, qu'à tes héritages de ses pères. Parce qu'il ne servira pas à l'héritage de ses pères. Nabot a dit l'écriture, lui. Nabot était dans quelle écriture? Dans Nombre 36. Nombre 36. Verset 7. Le verset 7. Même Nombre 27 que je reviens. Même Nombre 27 aussi en part. Donc c'est que Nabot a gardé l'enseignement. Nabot a gardé l'enseignement. Mais Jézabel a connu un programme à Bobomaé. Mais Jézabel a conçu un programme d'élite. C'est ça, esprit Jézabel. Il a connu mon livre en moi si Jézabel. T'as pas besoin que Jézabel séduit mes serviteurs. T'as pas besoin que Jézabel a son père qui s'abassale. D'abord, Jézabel a séduit mes serviteurs. Ce sont des serviteurs appelés Israël, peuple. D'abord, ces serviteurs-là, il s'agit du peuple d'Israël. Donc, peuple à Israël. Alors, le peuple d'Israël, ils avaient pour servir éternel. Servir l'éternel Dieu. Mais par monde, par là, qui a emporté. Mais c'était Israël qui était emporté. Mamoné, ses serviteurs. Mamoné, ma salle, mon tamé, mon serviteur. Mais les serviteurs appelés serviteurs. Là, si ma salle, on va venir à ça. Après, il qui pour s'emporter la position là. Jézabel avait refusé de s'emporter dans la position de Jézabel. Mais Jézabel a boumé tous les prophètes. Et Jézabel a boumé à sa boumé. Et l'éternel. Yahweh. C'est venu par prophète, on a ma boîte la parole de Dieu. Il a venu, ses prophètes n'avaient pas rejeté la parole. Anima, Liwa. Ils avaient accepté la parole. A gardé l'enseignement. Ils ont gardé l'enseignement. Mais il faut y m'amourir. Mais tu dois savoir ceci bien. Toujours par les prophètes. La garantie à sa boumé. Les serviteurs ont besoin qui séduit donc par Israël. Israël serviteur qui était séduit. Bah, Israël va venir avoir un serviteur. On appelle aussi le fils d'Israël des serviteurs.
serviteur de Dieu éternel. En lisant Apocalypse 7, lorsqu'on envoie l'ange marqué des sceaux, qu'il puisse marquer des sceaux à Tiens d'Abbas, les serviteurs de Dieu, Vassali Yantambé, 144 000. Les 144 000 d'Israël. Donc, par Israël. Donc, les enfants d'Israël. Vous en avez un, vous suivez à la Bible, les serviteurs de Dieu. On les appelle serviteurs de Dieu. Réveillez-vous aujourd'hui. De la même manière aujourd'hui. Toi, tu es serviteur. Dieu a servante. Et toi aussi, tu es servante de Dieu, ma soeur. Vous en avez un, tu suis attentivement. Donc, il faut garder l'enseignement très bien. Mais tu vas bien garder l'enseignement. Et l'homme Seigneur aussi m'a. La chose que tu vas saisir, c'est là où on est sur les 15 années. Tout le chemin qu'on a fait, c'est. Et ça va dire qu'on a tout comprendre Osée 2. C'était pour comprendre Osée chapitre 2. Que Zamet Azoya pour délivrer Israël. Que le Seigneur vient délivrer Israël. Dans verset 19, il y a Osée 2. Au verset 19, Osée 2. Azolongolanamunokonaye Kongo Yababal. Il enlève de sa bouche le nom des Baals. Et tout à l'heure, alors on a montré, lorsque les deux sont venus, Israël adorait les vrais. Israël, la Zalaki, vous savez, il n'y a pas son. Mais après la mort à Bézouin, Jézabel a introduit Baal. Mais Jézabel introduit les dieux Baal. Donc, force adoration. Le sapou est à ma vie. Mais le Seigneur a pour ôter à moi. Il y avait une écriture que j'aimerais te lire dans le psaume 22 pour achever. Je glorifie le Seigneur parce que les choses en dehors de la parole, je lis facilement les choses qui sont en dehors de la parole. Mais ceux qui n'ont pas la chair. Mais si je suis du haut de la chair, mais le Seigneur me fait grâce de ne pas voir la chair. Là, je lui rends grâce pour cela. Parce que l'élément de source, il détruit sa camaca, c'est diabétique. Parce qu'un autre élément qui détruit le plus, c'est le diabétique. Perte de mémoire. Et ça dit beaucoup, mais ça dit pas. Mais non, les animaux n'ont pas de ce côté. Mais ces choses-là, ils ne se retrouvent pas en nous lorsque nous. Même chez moi, les animaux vraiment disposés. La plupart est vraiment disposée lors de l'enseignement. Mais du coup, ils sont à la mosa. C'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu pour ces choses. Je dis à mes amis, le Seigneur, la ligne a gêné trois jours, trois. Là, je n'ai gêné trois jours. Si je dis à Dieu que je veux gêner par la mosa, je m'entraîne à gêner. Il va me le permettre. Donc, ils sont ensemble. C'est vraiment Dieu qui est. Ce n'est pas assez, non. Merci. C'est pourquoi nous les rendons grâce de la grâce qui nous a. Il faut reconnaître que nous sommes faibles. Tu dois reconnaître que nous sommes faibles. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est par sa grâce que nous vivons de la paix. Dans le verset 28. Remarque le verset 28. L'écriture est même un psaume 22. L'écriture dit en psaume 22. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel. Et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Et vous savez, ça compliment au millénium. Car à l'éternel appartient les règles. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver la vie. Alors, on déclare que Mabele Mobimba. Ici, on déclare que toute la terre penseront à c'est lorsque le Seigneur liera les diables pour lui, non. Et en ce temps-là, nous avons voulu guérir Babylone. Ils sont tous les cas qui ont dit n'a pas guéri. Abandonnons-la. Petit cahier qui sont tous les cas. Allez, la Jérémie, ça y est, ma grand-mère. C'est là, c'était accompli ainsi du temps de Jérémie. Amen. Donc, le fils d'Amon a s'est révolté.
s'est révolté à sa prochaine position à terre. Et s'est approché de la Moab, Égypte. L'Égypte. Avant va abandonner. Et tous se sont retirés pour abandonner Babylone. Babylone, bon, Babylone, pas pour essayer d'un Médopès. Enfin, que Babylone soit renversé par l'empire Médopès. Babylone, c'est la sienne, abandonné. Ceux qui étaient sous lui l'ont abandonné. Les amis, vous expliquez. Et cela explique. Le lègue, oui, aux nations, vous allez la fausse adoration. Comment est-ce que les nations seront dans la fausse adoration? Vous allez la serrer à la bête. Elles seront sous la bête. Maintenant, sous ta tête, vous allez pour combattre la bête dans la main de la terre. Et lorsque le Seigneur viendra combattre la bête, après combat, après ces combats, la nation, pas comment? Les seigneurs seront à quoi? Abandonner la bête. Ils vont abandonner la bête. En tout cas, l'Église en a. En tout cas, pardonne-moi de lire l'Écriture. Toutes mes excuses. L'Imbisana. Tu m'as excusé. Daniel 7. Daniel chapitre 7. En tout cas, c'est tout pardon. En tout cas, je me suis excusé. Daniel 7. Daniel chapitre 7. D'abord, le verset 11. Remarque le verset 11. J'ai regardé alors à cause des paroles arrogantes qu'elle prononçait à corps. Daniel 7, verset 11-12. Et tandis que j'ai regardé l'animal futuré, l'Apocalypse, l'animal qui sera tué, sa dernière royaume. Et l'animal qui sera tué dans l'Apocalypse, et son corps fit anéanti, livré au feu pour être brûlé. C'est un jugement. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée. Prolongation à vie de millénium. La prolongation de vie, c'est ça le règne de millénium. Il a tué un seul animal. Mais les autres animaux. Les animaux, ce sont les puissantes nations des nations. Lorsque le Seigneur viendra dans la vie, leur puissance, les animaux, les animaux commis la Bible. Adorer bête, va s'en aller de la bête. Mais le Seigneur la soupe. Mais lorsque le Seigneur, il va leur déplier leur puissance. Après, il y a une prolongation. Après, lui-même leur accorde une prolongation de vie. C'est ça, après, ma pessima la concubine, ma don. C'est ça, Abraham qui fait des dons au fils de ses concubines. Mais a éloigné par mon attente. Mais il les éloigne d'Isaac, son fils héritier. Amen. Donc, vous n'êtes pas en vie. Donc, c'est un véritable Abraham. Véritable Abraham. Apprécié par vous. Le Seigneur l'a même pas éloigné par mon attente. On les a éloignés de l'attente. Isaac a gagné une union sur Abraham. Et c'est ça, les médias étaient déjà mariés par Isaac. Vous avez la parole. Amen. A bénéficié de l'union sur Abraham. Elle a bénéficié de tout l'héritage d'Abraham. Mais pas sous. Mais les fils des concubines ont reçu aussi les dons du père. C'est ça, prolongation de vie. Il y a combat qui s'est à la mort Nicolas. Ils avaient adoré la bête. Mais la salle des prières, les locaux, ils ont dit de l'ombre des pâtes à remettre. La salle de l'ombre, ils ont dit de l'ombre des pâtes à remettre. Mais Nicolas, matin, il va vous en sauver pour nous en vient d'éternel. Ils seront sauvés pour entrer dans l'éternel. C'est pas pour la prolongation à vie. C'est seulement pour les règnes de mille ans. Vous en avez un petit peu attentivement. Donc, les Anétiques, Azana qui est déjà prospérant. C'est comme s'ils avaient manqué de Azana qui est dans la terre. Il y a aussi que là-bas. Mais Dieu fera un programme pour Anoumoula la Kerer. S'ils avaient aussi la Mapong ici, à Benganamoto, à ce qu'il n'y a pas là-bas.
Que vraiment la paix du Seigneur est avec nous. Vraiment que la paix du Seigneur soit sur lui pour chacun. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Et le Seigneur te garde et te préserve.